Bon retour à Brindleton Bay. Ça faisait longtemps, non? Le quartier te semble moins familier, pas vrai? C'est normal, la petite famille a déménagé. Elle habite maintenant dans une maison plus grande. Et pour cause, Fallon a accouché. Et le bébé est un petit garçon que Fallon a décidé d'appeler Adam. Pour s'occuper de lui, elle a préféré prendre un congé maternité. Elle en a profité pour écrire plusieurs livres qu'elle a publiés auprès d'un éditeur et elle commence à avoir son petit succès en tant qu'écrivaine. Quant à Maddox, le fait de devenir père l'a transformé et lui a fait réaliser plusieurs choses. Il a annoncé à Fallon qu'il voulait faire quelque chose de sa vie et trouver un travail. Cela l'a rendue très heureuse, bien sûr, même si elle n'y croyait pas tellement au début. Mais Maddox a persévéré et il a réussi à avoir un entretien pour se lancer dans la politique. Il a trouvé une cause à défendre et depuis il fait tout ce qu'il peut pour réussir dans son travail. Même si pour l'instant, il faut le dire, il n'est pas encore très populaire. Il voulait cependant prouver à Fallon qu'il serait là pour elle, toujours contrairement aux autres hommes qu'elle a connus dans sa vie et il l'a donc demandé en mariage. Il a fait sa demande sur le lieu de leur premier rendez-vous et sous les étoiles. C'était une demande magnifique, paraît-il. Elle a bien entendu dit oui, même si elle était un peu effrayée par l'ampleur des préparatifs. Ça a au moins eu le mérite de grandement améliorer ses relations avec la fille de Fallon, Caitlin. Aussi, lorsqu'il lui a annoncé qu'ils allaient partir en voyage en amoureux, elle était très contente pour eux. Mais ce n'est pas la seule raison de sa réjouissance. Ma petite Caitlin s'est beaucoup rapprochée de son meilleur ami, Raphaël, qui est finalement un peu plus que ça, désormais. Elle lui raconta toute son histoire, notamment comment elle avait été séparée de sa sœur jumelle Garance lorsqu'elles étaient encore toutes petites. Très choquée, Raphaël lui a proposé d'aller la voir pour la retrouver. Elle ne s'était pas vue depuis des années et était donc très émue toutes les deux. Et après avoir parlé pendant quelques heures qui leur parurent à toutes les deux bien trop courtes, elle se dit au revoir tout en se promettant qu'elle n'allait plus jamais être séparée. Bonjour à tous, c'est Chal et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 21 de notre Let's Play sur les Sims 4 Chien et Chat et il s'agit de l'avant-dernier épisode, et oui déjà, mais je sais que vous attendiez celui-là avec impatience déjà et j'espère vraiment que la cinématique vous a plu parce qu'elle m'a pris énormément de temps comme c'est vraiment une grosse cinématique et du coup je pense que j'ai pas grand chose à expliquer sur ce qui s'est passé et du coup sans plus tarder on va partir en jeu. Là on est avec notre petite Caitlin qui est en train de faire ses devoirs puisqu'on est jeudi, normalement elle devrait avoir cours peut-être, non? Je ne sais pas, jour férié, ah c'est le jour d'Halloween, ouais mais je pense qu'au moment où je sors la vidéo c'est plus trop la période. Ouais non ça doit plus être la période du tout parce que je pense que cette vidéo elle va sortir vers décembre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on essaie de le fêter quand même? Je ne sais pas. Elle va porter un déguisement. On va faire 2-3 petits trucs. Et va se mettre en... domestique. Allez, je pense que ça lui ira bien. J'ai entendu dire que tu fréquentais Raphaël. Félicitations pour ton nouveau petit ami. Je ne sais pas si vous avez vu que tous les membres du groupe des Katies ont été relookés. Elle est très sympa, cette petite maison. Je l'ai prise dans la galerie. Voilà, du coup, je pourrais pas vous la partager. Mais bon, c'est déjà... Enfin, j'avais pas le temps d'en reconstruire une autre, en fait. Du coup, j'ai pris celle-là qui était déjà toute faite. Et c'est Caitlin qui va aller s'occuper de choisir les décorations d'Halloween, du coup. On va faire accrocher des décorations. Ah, ok, ça le fait direct. Oui, bah c'est pas mal. Écoutez, c'est sympa. C'est pas mal. Caitlin a un appel. De quoi ça s'agit? J'ai entendu dire que tu fréquentais Raphaël. Félicitations pour ton petit ami. Serais-tu jaloux, Mathieu? On ne sait pas. Et toi, tu vas être en Dark Vador. Voilà. Je pense que Dark Vador, c'est quelque chose qui te correspond bien. Et du coup, on va essayer de faire en sorte qu'il passe un merveilleux jour d'Halloween. Bah tu pourrais peut-être aller raconter une histoire à ta fiancée pendant qu'elle travaille, ça pourrait être pas mal. Elle est toujours en pyjama d'ailleurs. Qui sait si chante une chanson de Noël à Halloween. Il n'y a pas à raconter des histoires. Ah si, raconter une histoire délicieuse, voilà. Ah, c'est Caitlin qui commence à chanter là, ok. Niveau 8 de la compétence écriture pour Fallon déjà. Du coup je lui ai mis comme, comme aspiration, hein, tant qu'à faire. Ouh, ses pleurs. Tu
Tu vas le nourrir au biberon. Changer la couche. Babiller. Et puis parler. Voilà. On va calmer un petit peu ce petit bout de chou là. Faudrait qu'on achète le truc de bonbon là. Je vais acheter le saladier de bonbons vite fait. Et voilà, ça y est, on a donc notre petit saladier de bonbons. Ah oui, on a un homme de ménage. Je sais plus si on l'avait déjà la dernière fois, je me rappelle pas. Mais voilà, comme ça, ça nous évite d'avoir trop de trucs à faire. Kathleen qui a un appel. Raphaël qui veut qu'on passe le voir. Mais non, non, non. On les invitera après pour faire une petite fête effrayante. Ça pourrait être sympa. Et du coup, si Maddox pouvait se mettre un petit peu à la cuisine aussi, ce serait cool. On a des trucs périmés dans le frigo, visiblement, donc on va enlever la nourriture gâtée. On pourrait faire le gâteau zombie qu'on a foiré dans le Season Dream pour Halloween, mais peut-être que là, on va le réussir, on ne sait pas. Autant essayer. C'est ça son déguisement de méchante? Oui, pourquoi pas. Écoutez. Mais non, mais le mange pas. Bon, ok, elle est partie manger tout de suite. Mais qu'est-ce qui miaule, là? C'est qui miaule comme ça, là? Ah, il me fatigue. Hein. Eh oui, et on a une petite serre, là, qui est très mignonne. Très choupie. Kathleen, elle s'en fout de cette tradition. Pourquoi, d'ailleurs? Ah, parce qu'elle est solitaire. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ce petit détail. Tiens, on va faire un câlin à ton chat qui miaule, là, Gaufrette. Tu vas la caresser. Ah, elle m'en dit de la nourriture. C'est pas bien sa Gaufrette. On va la sermonner juste après l'avoir caressée. Tout va bien. Elle va tout à fait comprendre ce qu'on veut lui dire. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on va faire connaissance. On va jouer avec un pointeur laser. Voilà. Ok, donc Fallon a raconté une histoire. C'est parfait. Continue à cuisiner, toi, quand même, j'espère. Oui, c'est bon, il continue à cuisiner. Et le gâteau zombie qui est, du coup, est-ce qu'il est réussi? Suspense, suspense. Il est excellent, super, bravo Maddox. Ok, donc on va mettre ça au frigo en attendant. Là, il y a une assiette par terre aussi, c'est n'importe quoi. On va la mettre au frigo également. Pendant ce temps, Kathleen, elle va prévoir un événement et elle va inviter ses amis à la maison. On va dire que Maddox et Fallon, ils invitent personne parce que c'est plus une fête de jeunes, entre guillemets, pour eux. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Et du coup, ils laissent Kathleen inviter ses amis et tout, mais eux, ils s'en fichent un petit peu. Voilà. Comme il est déjà 20h, je pense qu'on va la faire commencer directement. Ah, fête effrayante. Voilà, c'est parti. Je ne pense pas qu'on invite Garance, ça ferait trop un choc à sa mère. Et sa mère est pas au courant qu'elle a repris contact avec elle. Du coup, voilà. Mathieu, tu veux qu'on se voit ce soir? Mais on va déjà se voir. Tu n'es pas la peine. Et voilà, ah bah elles se sont rechangées. Alors je suis pas sûre pour le déguisement de Fallon. Je sais pas, il y a comme un truc qui me dérange. Est-ce que nos invités sont là parce qu'ils ont pas l'air d'arriver? Ce serait bien qu'ils se grouillent un petit peu, qu'on mange tout ce qu'on a préparé. Écoutez, c'est pas grave, ils ont vraiment faim. Du coup, on va faire appeler à table. Voilà, et on va entamer le gâteau sans eux parce que ils ont qu'à se dépêcher un petit peu. Au bout d'un moment, ça va quoi, on est gentil, mais. Ah oui, et ce que je voulais faire du coup, c'est rajouter. Ah non, c'est pas toi, j'ai eu peur. On va rajouter Garance au groupe de Kathleen. Voilà, parce que tout simplement, maintenant qu'on a repris contact avec elle, et elles veulent plus se quitter. Voilà. Donc, Garance, Thames. Hop, voilà. Il faudrait absolument que je change les activités, mais je ne vais pas faire ça maintenant, je verrai plus tard. J'ai l'impression qu'ils vont pas venir, hein. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Brandt souhaite venir passer du temps ici. Bah écoute, pourquoi pas, hein. De toute façon, on n'a pas d'amis, donc viens, viens. Nos invités ne viennent pas, donc autant qu'on ait quelqu'un chez nous, pourquoi pas.
Tiens, Fallen, va ouvrir à notre amie la Brande qui est venue gentiment alors que personne n'est venu. Tu vas lui faire une présentation chaleureuse. Niveau 4 de la compétence éducation pour Madoc, c'est que ça devient un bon père. Il n'y a aucun des invités qui est venu. Alors je sais pas ce qu'ils ont, les Katies, là, comment ça se fait? Enfin, genre, je ne sais pas. Discuter de plats gastronomiques. Ah non, mais si ça c'est Madoc, ça c'est qui? Oh, mais c'est Raphaël! C'est le chéri de Kathleen, lui au moins il est venu. Oh, trop mignon. Ah oui, on l'aurait pas reconnu, tiens. Bon, bah, tu vas aller lui faire un petit bisou, du coup, après. Enfin, voilà. Tu vas remercier d'être là. Voilà. Tu vas peut-être te plaindre des problèmes en disant oui, je comprends pas, les autres, ils sont pas venus et tout. Ça se fait pas, franchement. Enfin, voilà. Moi, je voulais faire un truc cool. Ah, mais y a pas. Il doit y avoir dans Amical. Hop. On va lui demander conseil. Allez, on va dire que c'est pareil. Ils sont pas mignons. Voilà, se plaindre des problèmes. On va lui expliquer tout ce qui se passe et qui va pas dans notre vie. C'est un peu son confident aussi. Enfin, c'est à la fois son meilleur ami et son chéri, comme vous avez pu le voir, du coup, au niveau de leur relation. Tiens, et ça, on va le mettre au frigo parce que je pense que plus personne n'en mangera là, à ce stade. Ah, mais elle est là, c'est qui? C'est Elodie, trop bien! Ah, oh, trop cool. Bah, c'est maintenant que vous arrivez, vous, franchement. N'importe quoi. Hein. Bon. Remerciez d'être là. Non, mais franchement, vous avez vu, ils arrivent à 2h du matin chez nous, quoi. Mais tu te sers dans le frigo alors qu'il y a des trucs ici. Tu te fous de qui? Non, mais Elodie, là, ça va pas. Hein. N'importe quoi. Attendez, on pourrait peut-être l'engueuler un petit peu juste pour faire crédible en mode, bah attends, déjà, je comprends pas parce que t'aurais dû être là il y a bien longtemps. En plus, tu prends n'importe quoi dans le frigo alors qu'il y a des trucs sur la table. On va se disputer un petit peu avec elle quand même. Il faut qu'il y ait un peu des dramas, se disputer à propos de la musique. Allez. Mais nous, on sait que c'est pas pour la musique. Voilà. Mais allez, parle-lui. Vide ton sac. Oh, elle est trop mignonne, Justine. En petite sorcière. Elle est grave chou. Pour aller lui parler. Mais elle aussi, on va l'engueuler un petit peu aussi parce que voilà. Mais juste pour la forme, genre, parce que enfin, ça se fait pas d'arriver à cette heure-là en fait. Tiens, bah, si tu pouvais te dépêcher de dire ce que t'as à dire à Elodie. Ok, ça y est, elle s'engueule un petit peu là. Voilà, c'est bien fait avec être là. Et une fois qu'on a été aux toilettes, on ira parler un petit peu à Justine. Et elle aussi, on va l'engueuler un petit peu quand même, parce que voilà, ça nous saoule. On va... non, dénigrer, c'est vraiment pas cool. Se moquer du costume. Voilà. Dépêche-toi d'aller faire pipi, sinon tu vas te faire pipi dessus, ça va être n'importe quoi. Mais toi aussi, t'as envie de faire pipi? Mais allez-y, les gars, je suis pas votre mère. Franchement, n'importe quoi. Bah toi, tu vas aller là. C'est bon, elle est partie s'engueuler avec Justine. Et puis, bah, elle aussi a commencé à être fatiguée, mine de rien. Du coup, elle va peut-être manger ce bout de gâteau là qui reste. Voilà, tu vas manger ça. Et ensuite, tu iras faire un gros dodo parce que tu es crevée. Du coup, ça, on va le mettre au frigo. Le reste, on va le laisser à notre domestique pour qu'il le nettoie demain. Je suis désolée, moi tous mes amis, je les invite à 21h, ils se pointent à 2h du matin. Je suis un peu vénère aussi. Hein. Bon, allez, c'est bon là, arrêtez de vous engueuler, tu manges et puis tu vas te coucher. Et du coup, on va terminer la fête hein, parce qu'il est temps quand même. Voilà, hop, terminé plutôt. Oui. Je vous retrouve du coup quand ils se réveillent tous. Oh non, le bébé qui pleure en haut, mais n'importe quoi. Tu sais qu'il n'est pas trop fatigué de toi, je crois que t'étais la moins fatiguée de tous. Bon bah tu vas te lever. Allez, lève-toi. Tu vas aller t'occuper de ton petit frère, nourrir au biberon. Voilà. Changer la couche. Je me demande vraiment pour la donne-heure de gloire, je viens d'avoir une révélation. Est-ce que vous pensez que les animaux pourront devenir célèbres? Ça serait tellement cool.
Parce que vous savez, il y a des animaux célèbres. Genre, si vous regardez, je sais pas si vous connaissez Bou, le chien, là, chien Spitz. Je sais plus parler, moi. C'est un Spitz. Et il est hyper connu. Genre, vous savez, vous l'avez forcément vu, sa petite boule de poil beige, là. Donc, on est juste avec Maddox. Qui s'occupe, du coup, de Adam. C'est parfait. Tiens, tu mangeras devant la télé, hein. Histoire de remonter un petit peu ton divertissement, parce que là, ça ne va pas du tout. Tu mangeras en regardant un film. Voilà. Ok, le bébé va bien. Tout est nickel. Et cette maison, du coup, que j'ai prise dans la galerie, je ne vous l'ai pas dit, mais je l'ai remodifiée. Enfin, j'ai surtout modifié la chambre de Kathleen et la chambre de d'Adam. Et comme vous pouvez le voir, dans la chambre de Kathleen, j'ai mis plein de photos. Alors, il y a des photos d'elle quand elle était enfant. Il y a une photo de Lexa. Et il y a des photos avec tous ses potes. Donc, avec son chéri aussi. Avec Justine et avec Elodie. Je vais y arriver. Et avec Mathieu. Voilà. Donc, je trouve ça bien d'avoir mis des petites photos. J'ai pris toutes les photos qu'il y avait dans l'ancienne maison. Et si vous regardez, vous allez voir qu'il y en a un petit peu partout. Enfin, là, vous ne voyez pas forcément avec les murs comme ça. Mais attendez. Voilà, genre là vous voyez qu'il y en a une de Fallon, voilà, j'en ai mis un peu partout, vous verrez ça. Ok, donc en fait elle va tout simplement aller dormir, mais genre vraiment un gros dodo direct. Hop, parce qu'elle est vraiment KO, dormir. Oula, notre père nous envoie un message pour savoir si on veut venir chez lui, je vais y arriver. Mais bien sûr que non, le rejoindre quelque part, mais il abuse, il force un peu quand même, hein. Ok, mur de notification plein, on va supprimer. Fallon est rentrée du travail, elle a gagné combien? 680, c'est vraiment pas mal. Alors, hygiène, ça ne va pas, elle va aller prendre une douche. Tu vas aller en haut vu que ton fiancé est en bas. Allez, voilà, hop, la douche. Prendre une douche médiative. Allez, une petite douche médiative. Tu vas te remettre en forme. Et ensuite, tu iras te prendre des restes. Normalement, on a pas mal de trucs à manger dans le frigo. Voilà, prendre des restes. Bon, Maddox, il va plutôt bien. Du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller sur l'ordinateur et il va programmer un petit peu. Parce que lui, son truc, c'est la programmation, du coup. Ainsi que la politique, bien entendu, puisque c'est un beau parleur. Ah, on peut commencer à travailler en indépendant, ça fait quoi? Est-ce que ça va nous commencer une nouvelle carrière? Je sais pas, on va voir. On va tenter le truc. Je cherche quelqu'un pour créer un blog sur mon chat, on dirait moi. Et je crois que vous êtes la personne idéale pour cette mission. Est-ce que vous pouvez faire cela pour moi? Bien sûr que vous le pouvez. Ah d'accord, ok, on travaille genre directement. Ok, très bien, c'est pas genre une carrière ou quoi. Elle est trop mignonne cette tenue d'automne. Je leur ai tous fait des tenues d'automne, mais du coup, on va bientôt rentrer dans l'hiver. Du coup, je leur ferai des petites tenues spéciales hiver aussi. Elles auront droit à un petit relooking pour le dernier épisode. Et oui, qui arrive je ne sais pas quand. Hein, on verra. Oh, et Socrate, il est trop mignon à côté, là, posé. Les chats âgés. J'espère qu'ils vont pas crever tôt de suite. Ce serait bien quand même, parce que voilà. Ça me fait quelque chose à chaque fois qu'il y a des animaux qui meurent. Ça me... Niveau 6 de la compétence programme. Oh, on peut pirater la performance au travail. Eh, on fera ça. On fera ça pour qu'il commence à avoir une super carrière politique. Ça pourrait être trop drôle. Regarde un film. Oui, bah non, tu vas aller t'occuper de ton gosse en fait, qui est en train de hurler encore. Et un chat a renversé la poubelle, je l'ai vu. Ah, ça va pas être possible du tout. Noël au biberon. Ah, je vous jure. Changer la couche. Voilà. C'est bon. Il va bien. On va enfin pouvoir aller dormir. Ah mon dieu, ça doit pas être simple d'être parent. Et je vous retrouve du coup le matin. Ok, donc Fallon est debout. Enfin, elle va se lever en tout cas. Et le bébé pleure déjà. Du coup, rebelote. On va aller s'occuper d'Adam. On va nourrir à l'été, changer la couche, parler, et puis baby, voilà. Et c'est la journée du jargon de pirate aujourd'hui.
Et il faut donc parler comme un pirate. D'accord, très bien. Je sais pas ce que ça fait de parler comme un pirate. Alors, ma petite Kathleen, toi, ça va pas. Tu vas aller faire un pipi. Se soulager par-dessus bord. Bah, soulage-toi par-dessus bord, vas-y. Maddox part travailler, très bien. On n'a pas eu le temps de s'occuper de lui, le pauvre. J'espère qu'il va bien. On va faire travailler dur. Normalement, les domestiques, enfin, les hommes de ménage et tout, là, ils font ça, le linge. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils s'en occupent. Peut-être qu'on le fasse nous-mêmes. Bah tiens, tu vas en profiter pour faire la lessive. Tu vas mettre dans le lave-linge. Attends. Tu vas aller manger, mais d'abord, s'il te plaît, occupe-toi de la lessive. Ah, Kathleen est responsable désormais. C'est très bien. On va faire une frittata aux épinards en portion familiale. Voilà. Et le bébé cueille déjà, je n'en peux plus. Tu iras t'en occuper après. Hop. Toujours en train de hurler, je sens qu'il va nous saouler ce bébé. Allez, terrible. Je prends la couche. Et parler. Tu feras ça après. D'abord, tu vas préparer à manger. Ah, mais c'est parce que Princesse, elle est malade, qu'il y a des trucs dégueux là partout. On va l'emmener chez le veto. Ma petite Kathleen, comment vas-tu? Oh, elle est déjà crevée, Kathleen. Bon, vas-y. Écoutez, je vais emmener Princesse chez le veto, mais je sais pas si je vous... Je pense que je vous passerai ce moment, sauf s'il se passe un truc intéressant, parce qu'en général, c'est assez chiant. Ok, donc nous sommes de retour ici. Princesse est soignée, comme vous pouvez le voir, elle est là, elle va très 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 bien. Et du coup, j'aimerais bien qu'on sorte ce soir avec avec Kathleen et puis ses amis. Alors, avant, si possible, j'aimerais que toi... Ah, c'est bientôt l'anniversaire d'Adam. Toi, tu devais finir ton travail en indépendant. Non, mais Kathleen, qu'est-ce que tu fais là? Viens ici. Tu vas laisser Maddox travailler, s'il te plaît. Ok, et du coup, nous, on va sortir avec Kathleen. Et puis, bah, je vous retrouve là-bas. Voilà, voilà. Et voilà, nous sommes donc dans un petit café de Windenburg où on a invité tout le monde. Notamment parce que Kathleen avait envie de présenter sa sœur Garance à ses amis, tout simplement. Et elle avait envie de la revoir parce que bah, elles se sont revues qu'une fois au final. Et voilà, elles veulent se retrouver, c'est normal. Enfin... Et du coup, oui, Garance, on la voit en secret, bien sûr. Il ne faut surtout pas que sa mère soit au courant qu'elle se voit pour l'instant. Parce que, comment dire, Kathleen, elle a envie un peu de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi elles ont été séparées et tout ça, mais sans avoir un avis biaisé. Du coup, sans avoir l'avis biaisé de sa mère, finalement. On va essayer de valider l'histoire du jargon de pirate, là. Raconter des ragots à propos du butin. Ah, est-ce qu'on n'irait pas faire un petit bisou à notre chérie? Admirer le butin de pirate. Demander de faire tanguer le bateau. Ah non, j'adore. J'adore. Tenter un abordage. On va lui faire un petit bisou. Voilà. Et ouais, Garance, j'ai l'impression qu'elle n'ose pas trop rentrer. Peut-être qu'elle se sent un peu exclue parce qu'elle ne les connaît pas encore. C'est possible, c'est possible. Échanger des histoires de pirates, on va discuter un petit peu avec tout le monde. Regardez, elle sait pas où s'asseoir, c'est vraiment en mode triste, complimenter la fière allure. Mais c'est dommage qu'elle soit un peu à l'écart. Mais elle a l'air de bien s'entendre avec Mathieu Garance. Peut-être qu'il se passe quelque chose, je sais pas, peut-être un coup de foudre parce qu'ils sont encore jamais vus là, elle leur présente vraiment. Est-ce qu'on n'irait pas s'asseoir dans ce coin-là? Il y a l'air d'avoir pas mal de chaises, là. Hop, s'asseoir ensemble, faire connaissance. Parce qu'au final, on connaît pas son caractère, elle a grandi loin de nous. Se plaindre de ses parents, bah oui. Ils nous ont quand même séparés, nos parents, donc... Alors, elle est active, d'accord. Ok, c'est toujours bon à savoir. On va l'enlacer un petit coup.
Mais regardez-les avec leur parapluie, c'est ridicule qu'ils les gardent à l'intérieur. Ok, donc elle est lycéenne, bon bah ça comme nous, hein. Par contre, t'es la seule à être habillée vraiment tenue chaude et tout, tu pourrais peut-être enlever ton manteau vu que t'es à l'intérieur. Habille-toi normalement. Non. On va discuter un petit peu avec Elodie. Faire connaissance. Avec Justine. Justine, on est moins proche d'elle parce qu'elle est arrivée récemment dans le groupe, si je me trompe pas, ou peut-être qu'elles sont moins rapprochées, je sais pas trop. Mais elles sont moins proches, donc on va essayer de... On va savoir un peu plus sur elle. Notre père qui nous propose d'aller voir le parc. Enfin, non, genre. Non. En plus, il savait qu'on est avec ça aussi. Il y a notre mère. Non. Attendez. Ah, je m'épouse. Elle nous a pas encore vus. Elle ne nous a pas encore vus. Il faudrait qu'on sorte tous discrètement. Ça va pas être discret du tout, les ados qui sortent tous en même temps là. Faut pas qu'on passe par là. Allez, on va faire aller ici ensemble. Arrête de discuter, il se passe un vrai truc. J'avais pas vu qu'elle était là. Faut pas qu'elle nous voie, genre vraiment pas. Allez, on bouge, tout le monde sort. Vite. Surtout Garance en fait. Voilà, parce qu'après ça va si elle voit Kathleen avec ses amis. Ok. Ok, c'est bon. Et du coup, tu vas aller la voir, genre, bah maman, qu'est-ce que tu fais là? Je sors avec mes amis, enfin voilà. Illuminer la journée. Ah, c'est chaud, j'avais pas vu qu'elle était là. Comment elle est arrivée ici? Non, il y a Garance qui arrive, ça ne va pas du tout. Je vais essayer de la faire rentrer chez elle. Tac. Toi. Arrête de parler à ta mère. Et tu vas faire genre, tu vas leur demander d'aller tous dehors ici. Genre, s'il vous plaît, les gars, déconnez pas, quoi. Il y a Garance qui rentre, mais sors. Non, elle vient vers ici. Non. Putain, mais c'est sûr, elle l'a vu, là. Enfin, genre. Ah, peut-être pas. Parce qu'après tout. Si elle la voit juste passer dans le coin de l'œil, elle va peut-être pas la reconnaître. Après tout, elle a pas vu depuis qu'elle était bambine, donc... c'est bon, Fallon, elle part. Tout va bien. Bon, c'était un peu chaud, mais du coup, je pense qu'on va rentrer chez nous. On va aller faire un bisou à notre sœur avant de partir. Dans les toilettes, bien sûr. Amicale... Voilà, enlacez tendrement. On va faire un bisou à Raphaël. Voilà, embrasser. Et ensuite, on va partir. Voilà, et puis les autres, on leur dit juste coucou de loin. Voilà, en mode désolé les gars, on s'en va. Et puis c'est tout. Mais franchement, ça a fait plaisir de la revoir et regarder comme elles sont mignonnes. Ça fait trop plaisir de les voir enfin réunies, passer du temps ensemble. Je sais que vous attendiez ça autant que moi. Voilà, le petit bisou du départ. Allez, c'est bon, t'as dit au revoir. Non, mais je sais que tu veux rester avec lui, lui parler et tout ça. Non. Allez. Rentre chez toi. Je vous retrouve à la maison. Ok, c'est bon, on est rentré. Parfait. Du coup, elles vont s'occuper un petit peu d'elle, je pense. Toi, tu vas aller manger quelque chose. T'es pas fatiguée à cette heure-ci? Ah, mais c'est vrai, je l'ai fait dormir avant de partir, c'est pour ça. Toi, tu vas aller prendre une douche. Et puis, écoutez, les amis, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser, parce que du coup, l'épisode, il commence à être assez long, là. Je vais avoir pas mal de montage à faire, et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour me faire savoir ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, tout est dans la barre d'infos. Et puis moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao !